Ce que je fais, c'est que j'entoure avec ma roulette et je pique sur le calque chaque tache qui vont être reproduites sur le mur pour qu'elles soient bien positionnées au bon endroit sur le mur et pas avoir à se casser la tête à refaire tout le dessin sans recul, justement. Ce qui est intéressant de marquer toutes les tâches avec les différentes limites des différents tons, c'est que justement comme la fresque va être vue de loin, étant donné qu'il y a une grosse partie qui est en hauteur et qu'on va digérer visuellement à partir d'une certaine distance, le fait, c'est exactement comme Chaplin faisait quand il était à l'écran, c'est-à-dire que les maquillages étaient vachement outranciers, c'est-à-dire qu'ils étaient accentués, pour tout simplement qu'à l'image, les expressions soient accentuées. Ici, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que pour donner l'illusion par exemple, qu'il y ait des dégradés un peu subtils, en fait, il n'y aura aucun dégradé. Ça sera une succession d'aplats qui, mis intelligemment bout à bout, vont créer une illusion d'optique qui, à partir d'une certaine distance, mettront en scène un dégradé qui sera magnifique, quoi. Chaque détail d'aplat est donc marouflé, de manière à ce qu'on pose directement le ton choisi sur tel aplat, et la cohérence du tout fera que l'illusion d'une facture graphique un peu pointue sera mise en scène, quoi. Souriez, ce que l'on a à vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait, oh là, une année et demie, je crois, qu'on l'a d'abord rêvé, imaginé, c'est parti. Sur un coup de tête, j'allais dire même un coup de foudre, sur une idée lancée comme ça par hasard au détour d'une soirée par un jeune habitant de Gillamont. Pourquoi vous ne ferez pas une fresque dédiée à Charlie Chaplin? Je pense que quand il a lancé cette idée, il ne pouvait pas se douter, et nous non plus d'ailleurs, qu'une année et demie plus tard, on serait tous ici pour vous présenter ce projet dont on est certain aujourd'hui qu'il va devenir réalité, à partir d'aujourd'hui même. Au début, ça va vraiment monter difficilement, mais après, ça va. Après, l'œuvre, en fait, elle, un peu comme quand on fait du gros œuvre, le travail de finition, il y a un moment de bascule. Oui, réellement. Oui, c'est-à-dire, ça monte, vous ne voyez rien, et puis à un moment donné, pam, ouais, ça joue vois, à quelques. Dans un espace de 1 ou 2 jours, où tout d'un coup, l'œuvre, elle bascule.